Je viens au serpent qui est sorti de mon corps. Hein? Oui. Comment ça s'est passé comment? Quand vous m'avez posé la main, le feu a commencé à retourner dans mon corps. Et puis quand vous l'avez sorti, il a retourné dans mon corps. Je vais t'étrangler. Et maintenant ça va. Oui. Tu es convaincu que tu es délivré. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia.
Donc papa, il a parcouru presque toutes les églises avant de venir ici. Non, non, non. Laisse après, j'ai parcouru les églises. Non, non, c'est comme si c'est le crasso qui était fort. Non. Une fois que non, t'as fait église, partout. Tu les as fait l'église partout. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Papa, ce que j'ai à vous dire, c'est que depuis un mois, j'ai perdu mon âme. Donc, vu tous les sacrifices que j'ai effectués. Tu as perdu âme comment? Tu es là, tu sais que ton âme est partie. Oui, papa. Comment? Spirituellement. Comment tu sens ça? Je sens un vide à moi. Un vide? Oui, papa. Comment tu sens le vide? Au départ, tu es un bruteur. Oui, papa. Je l'ai vu encore. Tu fais comment? J'arnaque les gens. J'en ai des plans, c'est-à-dire que je vais passer ici là, pour ce que je suis là. C'est pas non, hein, c'est pas Nike comme ça. Il y a un acte, ça veut dire quoi? J'escroque des gens. Sur internet. Sur internet. Tu fais comment? Je me fais passer pour ce que je suis pas. Pour ce que tu n'es pas, ouais. Et je séduis de l'argent aux gens. Oui, pourquoi fais ça? Je peux passer pour une femme. Voilà. Ok, tu n'es pas une fille. Oui, donc, voilà. Le monsieur là, il parle de cette fille. Mais avant de parler, il y a des pratiques, il sait. Parce qu'il n'est pas bête aussi, il calcule, il réfléchit. Or, pour prendre son argent, c'est que tu l'as embouté. Pour ça, tu partais chez les marabouts. Non, explique. Tu as fait quel sacrifice, quel vilain sacrifice tu as fait. Si tu ne dis pas ça, je te lâche. Moi, je te lâche et puis je pense à toi. Pourquoi avoir peur ici? Papa, je n'ai pas peur parce que je cherche la guérison. Parce que moi-même, j'ai une pression comme si j'étais déjà mort. Donc, je suis venu chez la guérison. Et puis tu peux être aussi, n'est pas rentré dans le système de la guérison. Il ne faut pas question, hein? Comme toi-même tu as marché pour venir ici, tu peux toi-même dire ce que tu as fait. La guérison dans ce désir, il peut vouloir. Il y a souvent un semblant de délivrance, hein? Je viens, or il y a des choses qu'on doit faire. Or, si ça ne t'arrange pas, tu peux ne pas dire. Or, il faut que tu passes par là pour être venu. Ça ne sortira pas de ma bouche. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi j'ai fait trop de pratiques? Je me dis, je vais me donner l'homme. Personne ne peut te poursuivre. Tu es dans une église. Ici, nous sommes reconnus. Ici, les gens savent qu'on délivre. Donc, quand je suis allé voir les fétiches et les marabouts, ce que je fais moi-même physiquement. Ah, c'est ce qu'ils demandent depuis, voilà. Ou bien? C'est les choses que je donnais. Ah, c'est ce qu'ils demandent depuis, tu reviens là-dessus, tu tournes. Va l'essentiel, donc trompe, parle. Qu'est-ce qu'on a jamais entendu ici? On a rien entendu ça, c'est ça, puis on disait, il est tué. Ça, c'est une autre chanson ici, il est national. Tu es là, c'est une nationalité. Non, bon, tu es toi-même dans la vie, non, on entend ça, chaque. Monsieur, j'ai laissé le micro, hein. Oui, papa, j'ai tué l'homme. Pour enaquer les gens. Oui, papa. Ils t'ont demandé quelle dernière personne. Pour transformer en mouton. Là, le sacrifice n'a pas marché. C'est pour ça que c'est arrivé. Qui t'a donné? Tu as voulu donner un sacrifice. Un de ta famille, tu as voulu donner, ça n'a pas marché. Si tu as dit ça, je te délivre tout de suite. Je n'ai pas fait omelette quand. Omelette, quand on veut faire, on casse les jeunes. Il faut casser. C'est le jus là, on veut faire omelette. Papa. C'est seulement dit. Monsieur. Je ne veux pas vous mentir, papa. Mais je n'ai pas su de mentir, mais il faut dire pour qu'on puisse te délivrer. De toute façon, tu es venu là, je vois aussi. Je vois. Je vais t'aider. Or, si tu ne touches pas ça, je vois que tu n'as pas goûté les églises. Parce qu'elle ne met pas la sang là-dessus. Tu vas faire toutes les églises. Or, celui qui ne maîtrise pas ça, il ne peut pas t'aider. Il va m'arriver à parler. Or, tu n'as pas dit ce qu'il devait dire. Je donne des chances de soi, hein. Dès que les chambres le soir à la veille, si tu ne parles pas, je vais te chasser. Je ne vais pas dire qu'Azur est fort. Non, papa, ce n'est pas parce que vous êtes fort. C'est Jésus qui est fort.
Je, au fait, papa, je ne peux pas vous mentir. Je sais pas si. Petit, je connais bouche de sorcier. Ce qu'il a fait là, c'est ça qu'on avait pratiqué sorcier. C'est pas sorti la nuit, aller manger l'homme. C'est ça qu'on avait pratiqué sorcier. J'avais dit, quand tu as dit que tu as tué l'homme, je ne suis pas rentré dans les détails. Mais ça a effrayé tout le monde ici. Quand tu as dit que tu as tué l'homme, je n'ai pas voulu qu'on rentre dans les détails. Mais c'est physiquement que tu as tué l'homme, je ne suis pas sorcier. Donc je n'ai pas voulu qu'on rentre dans les détails pour ne pas que les gens aient peur de toi-même. Vous avez compris? Mais qui tu voulais donner, ça n'a pas marché de nous. Levez-moi à prier. Faut réfléchir, petit, et dépendre de son. C'est moi qui ai dit au diable de ramener ton âme. La haine qui gèle là, tu peux avoir ça dans le Seigneur. C'est moi qui te dis, tu ne sais pas. Petit pardon. Je te laisse ta bonne volonté parler. Tu vas dire. Oh, il faut que ça sorte de ta bouche pour être délivré. C'est pas moi qui allais faire, c'est toi qui allais faire. Donc l'esprit, tu vas parler, l'esprit va te libérer. Mais sinon, on n'a jamais entendu. Quand il dit que tu as tué l'homme, vas-y, il a voulu qu'on rentre dans les détails. Là, c'est pas en sorcellerie, c'est physiquement. Donc, du coup, je me suis dit, je n'ai pas voulu les détails. Mais les détails, ça va faire les gens ici. Ou bien, je n'ai pas voulu qu'on rentre dans les détails, j'ai tué l'homme. Bam, je suis passé là, tu comprends? Tu as compris? Il faut mettre ton image. Ce qu'elle dit que tu as tué là, c'est pas en sorcellerie, c'est physiquement d'aller tuer. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Parce qu'on peut te délivrer. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. J'ai quelqu'un qui nous aide. Amen. On vit ensemble, on ne sait pas ce que l'autre pense de nous. Et qu'on est là comme ça. On mange avec eux. Or, à la recherche de la gloire, c'est ça. Tu veux quelque chose de rapide. C'est là où Satan vit t'envoyer. Toi-même, tu es convaincu que tu as vendu ton âme au diable. Mais on va ramener ça, hein. Pourquoi laisser ça? Où est-ce que tu es parti? Les gens mangent ici, là. Écoute-moi. Écoute. Je connais ce qui t'a bien fait. Faut laisser, stop. Stop. Connais ça, ce qui t'a bien fait, il connaît. Sorcier a mangé l'homme. Quand il va mourir, son cœur a mangé. Nous, on ramène son âme. Amen. Il faut arrêter ça. J'ai dit maintenant, comment, quand tu as tué l'homme, tu as tué ça comment? Je ne vais pas dans les détails. Ouais, ce n'est pas en esprit, c'est physiquement. Tuer l'homme, son sang, tout ça. Je n'ai pas voulu que tu rentres dans les détails, tu es un bruteur. Je n'ai pas voulu qu'on rentre dans, trop dans les détails. Je ne voulais pas effrayer les gens ici. Amen. Amen. Nous allons prier pour que ceux qui nous en veulent, ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, que Dieu mette fin à leur règne. Prions ensemble au Seigneur. Il faut prier, il faut prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions pour la puissance dans le soleil. Nous te prions pour la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Merci pour ton corps et puissance. Capable de nous donner encore la victoire sur les ennemis. Pour nous bénir, pour nous délivrer. Nous te rendons pour ta gloire. Nous te prions et te manifester. Réagis pleinement dans ma vie, le content du travail, le content sur la manifestation de ton pouvoir de parole. Merci de te manifester et d'agir dans nos vies. Le content sur ton âme, le content sur toi, la vie, le content sur toi, le content sur toi, la vie, le sur. Merci, merci de te manifester, merci d'agir pour nous, au nom de Jésus. Que je prie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Venez nous asseoir. Que Dieu bénisse. Quels sont ceux qui se sont inscrits pour le convoi? Ok. C'est pratiquement tout le monde. Voilà, on va commencer, on va vous laisser partir. On va tout régler ça, Zaro, tout à l'heure. Amen. Moi, j'arriverai très tôt là-bas. C'est notre son de prière là-bas, c'est Gaïa qui prend Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Je vous ai bien enseigné dans mon introduction. Amen. Que Jésus qui travaille. Amen.
C'est Dieu qui agira en fonction de ta foi. Et Dieu est puissant. Il est souverain. Il n'a pas forcément besoin de Crasso pour te délivrer. S'il veut te délivrer, il te délivrera. Amen. Amen. Crasso se laisse entre la main du Seigneur pour que Dieu l'utilise davantage. Au fait, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui se manifeste. C'est un son de délivrance. Et c'est Dieu seul qui est notre refuge, qui est notre seul recours. Le seul qui peut te guérir et te délivrer. Nous avons prié tout à l'heure, il faut avoir quoi cette prière. Le seul problème, c'est que vous voulez que forcément le prophète veut vous toucher. Mais s'il n'a pas touché dans la prière, Dieu peut te délivrer. Sans l'imposition des mains, souvent je ne rentre pas dans votre système. De peur de que vous ne mettez pas la foi en une personne. Amen. 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 Il y a mon voisin. Il y a un voisin juste près de moi. On s'est salué de temps en temps. Je lui donne le wifi chez moi. Et puis, matin, il est venu s'approcher. Il est venu. Il voulait le mot de passe de wifi. De toute façon, on avait changé tout ça. Ça me fatiguait. Changé, il est venu s'asseoir. Et puis, on causait. Il dit, tu sais, j'ai fait plus de 3 fois rêve où j'ai vu comme des hommes habillés en blanc et qui survolaient. Et puis j'ai dit, du coup, j'ai regardé, mais ta maison priait dans le rêve et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas la chose? Et puis j'ai vu qu'un qui est venu, qui s'envolait, qui est venu vers moi pour dire, à cause de monsieur là, il vous protège. Amen. Je lui ai demandé, tu pries où? Je ne dis pas le nom de l'église. Hein. Tu pries où? Il m'a dit le nom de l'église. J'ai dit, tu as vu? Dieu même t'a parlé. Amen. Amen. Dieu est puissant. Je ne suis pas allé dire au voisin, c'est moi le prophète Crasso, ouvert la télé, comment il prêche, comment il attaque tous les sorciers de Côte d'Ivoire. Respectez-moi dans le quartier. Amen. Dieu, quand c'est révélé à lui, il dit, celui qui a conduit ton voisin, là, c'est mon point. Celui qui lui rend témoignage. Il faut que les gens rendent témoignage de la puissance de ton Dieu. Amen. C'est important. C'est ça que quand tu dis, si tu n'as pas une Bible, va t'acheter une Bible. Va t'acheter une Bible. Si tu n'es pas encore chrétien, convertis-toi. Amen. C'est tout. C'est le secret. Comment on parle? C'est pas là où je vais vivre chrétien. C'est plat, pas dans l'église. Dans le corps du Christ. Amen. Dans la maison, il n'y a rien. Vivez Jésus. Vous allez voir que les sorciers ne vont plus jouer où? Il n'y a pas de question de Crasso. L'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent, les arrache du danger. Amen. J'ai mis le chapitre 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, ils te feront combat. Car je serai avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Ils te feront la guerre. Il est bien content. Ce soir-là, je vous pointe dans la grandeur. Amen. Je connais mon point grand. Amen. Il y a des gens dans cette mission. Quand tu les rencontres, Dieu te plaît de toi, il plaît de toi. Quand Saül a rencontré Samuel, il est devenu roi. Amen. Quand David a rencontré Samuel, il est devenu roi. Amen. Il y a des gens qui ont la royauté dans la main, dans le trône. Amen. Je vais t'introniser ce soir. Amen. Parce qu'on assiste sur le trône, l'argent vient. Amen. Tout vient. Amen. Tout ce qui est dans le royaume vient jusqu'à nous. Amen. Je vais t'introniser dans la grandeur. Amen. Ne manquez pas ce soir la veillée. Amen. Ah oui. Amen. Que quelqu'un soit béni. Soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen, amen. Nous allons tant veiller. Ils sont en train de préparer le convoi tout à l'heure. À Zaroko, si vous arrivez à Zaroko, soyez disciplinés. Vous bénissez directement au centre. Le village, ça ne vous intéresse pas. Amen. Amen. C'est la prière qui va vous intéresser là-bas. Amen. Tout le monde de là, fermez vos bouches à tout ça. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est votre prière. Amen. Donc, tout le mouvement en dehors du centre ne sont pas pris en charge par le ministère. Si vous avez rencontré vos problèmes dans le village, c'est vous et le village.
Amen. Il y a un grand préau, il y a un grand coup, c'est à l'intérieur qu'on fait tout. En dehors de ça, si vous avez vos problèmes, c'est entre vous et le village et le problème. Voilà, il faudrait qu'on vous enseigne ça, qu'on vous parle de ça. Beaucoup de sagesse, montrez aux gens du village que vous êtes sages, vous êtes beaucoup disciplinés. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Le prophète est pas complété. Non, les petits, non, je sais que non. Amen. Amen. On va tout régler, c'est la veille. Là, il y a toute la nuit pour prier pour vous parler. On a toute la nuit. Amen. Moi, je serai là très tôt, déjà 22h, 23h, je serai là pour démarrer le programme, délivrer tous les sorciers, prier pour vous, vous consacrer, vous bénir pour cette nuit. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. On va t'aider. Ton âme va revenir. Hein? C'est comme ça. Quand on cherche Satan le trou, on cherche Dieu, on trouve Dieu. Vous voyez Satan la vie, ton camarade. Oh. Il va venir te donner un cadeau. Il est malade ou bien. Vous cherchez diable. Tu as le trouvé? Diable. On dit, quand il cherche Dieu, il est trouvé. Il cherche diable, ça va être diable. C'est comme ça. Tu as mangé la haine de diable. Il a fui. Il est malade. Tu as bouffé son argent. Ah, tu vas payer ça. Or, la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. On devrait sauver de quel chagrin. Toi, ta chagrin, ben, pour ta main, là, le gars. Tu as bouffé son argent, le gars. Tu as mangé quoi? Ben, les brutes, là, vous partez faire paro dans la boîte. Les pierres, les champions, on chante vos noms, vous êtes contents. Ah, Satan te regarde. C'est comme ça. Mais tu es comme l'enfant prodigue, tu es venu, Dieu va te prendre. Amen. On ne te rejette pas aussi. Dieu dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Amen. Voilà, c'est l'amour de Dieu ça. Son amour est incommensurable. Le plus grand des pécheurs, Dieu le prend, le transforme. Pourvu que tu reconnais ton état et que tu comprennes que c'est Dieu qui peut te sauver, il te sauve. Amen. Alléluia. C'est ça que vous pouvez voir un sorcier qui a tué des milliers de personnes que Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Dieu peut vous bénir. Là où tu veux arriver, là, Dieu peut t'envoyer là-bas. Tu veux être pressé? Tu veux la gloire? Il y a la gloire dans le Seigneur. Amen. Vous pensez qu'il est lent? Mais c'est ce qui est bon. Un enfant, vous voyez un enfant grandir comme ça. S'il a fait 9 mois, c'est pas un jour, hein? Il a fait 9 mois d'avant. Pour grandir, c'est des étapes. Il y a des étapes. Amen. Or, quelque chose qui grandit vite, c'est précoce. C'est mûr, mais c'est pas vrai, vrai mûr. Ça se gâte vite. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et que Dieu vous accorde toutes sortes de bénédictions. Amen. Et que vous ouvre des grandes portes. Amen. Des grandes portes de bénédiction. Amen. Que tous ceux qui étaient malades soient guéris. Amen. Que ceux qui n'arrivaient pas à se marier, que vous rencontrez les hommes. Amen. Ils vont vous dire chérie, bébé. Bébé, mon amour. Tout ça là, c'est important, ça délivre psychologiquement. Amen. Quand tu t'es baladé, tu vois la maison, bébé, tu es content, ton cœur est guéri. C'est plus que paracétamol. Amen. Oui, tout ça c'est important. Amen. Amen. Quand vous allez marier un vaurien, un gangster, un barakouda à la maison, il fait des maisons de jour. Guiche, 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 c'est malade. Marier les gens vont dire bébé, maman, mon amour. Tout ça, ça guérit. Là, le matin, c'est réel, je t'aime. Ouh là là, je t'aime là. C'est plus que paracétamol. Tu sais que ton mari te touche quand le matin. Tu fais quoi? Tu ne peux pas qu'elle sorte. Non, c'est pas des sorts. Je t'aime. Ça là, c'est plus que paracétamol. Le plus gros cadeau que tu peux donner à ta femme, c'est d'arriver le matin, tu dis réel qu'on a les yeux, je t'aime. C'est plus que voix solandais. Si elle va au marché, sauce les remplit, t'as su. Elle met complète que la suite. À cause de jeter, t'as dit ma terre. Ça donne énergie. L'énergie ici, c'est elle. Que Dieu bénisse. Voilà, amen.